m'a dit bonjour bonsoir avec chaque monde qui va regarder cette vidéo ça pas oublier sur channel Paola All Matt et ses amis Paola Aldriano qui tourne la car aujourd'hui avec l'autre vidéo aujourd'hui m'a dit c'est un fanatique qui t'a demandé pour me faire vidéo à pour lui sur Aseptote et moi décidé faire le plaisir et ça fait un plaisir tout parce qu'elle t'a demandé ça. Et dans la vidéo aujourd'hui, est basée sur analyse linéaire, mais plus précisément sur asymptote verticale et horizontale. Ça veut dire aujourd'hui, je viens apprendre nous comment on est capable de déterminer asymptote verticale en fonction et asymptote horizontale en fonction. On dit OK. Là, on va montrer comment on est capable de déterminer asymptote verticale et horizontale. On regarde l'exercice là ensemble, sans perdre du temps. Je dis soit f une fonction numérique. Défini par f de x qui est égal à 2x plus 3 sur x plus 1. Je dis déterminer l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale de la fonction. Normalement, pour nous déterminer ça où est l'asymptote verticale là, on a dit déterminant. L'asymptote verticale. Pour me déterminer asymptote verticale là, faut me tenir compte des domaines de définition. Ça veut dire faut me joindre domaine de définition fonction ça. Moi je dis fonction moi me gagne c'est f de x qui est égal c'est 2x plus 3 sur x plus 1. Eh bien, faut me joindre domaine de définition fonction ça. Pour me joindre domaine de définition même j'aime te faire déjà. Nous connais là une fonction rationnelle pour me joindre domaine de définition hein? La égale avec l'ensemble des réels privés. Nous dit quel que soit x appartient à l'ensemble des réels tel que x plus 1 égale avec 0. Ma tout profite dit tout le monde qui pas comprend le domaine de définition, va regarder dans la vidéo précédente, pour joindre le domaine de définition. Et bien nous allons là, m'a poser, m'a dit posons x plus 1 égal à 0. Et bien, quand on a résolu ça, l'équation première, ça, premier degré, ça implique x égale avec moins 1. Là, je dis x égale à moins 1. Si son fonction d'après résoudre, on a seulement dit x égale à moins 1, c'est l'asymptote verticale. Déjà, je dis que j'ai une asymptote verticale. Là. Mais il y a un principe qui dit, on peut prouver que ça, c'est asymptote verticale. Il faut que prouver que x égale à moins 1, c'est asymptote verticale pour fonction ça. Parce que pour une fonction rationnelle, x égale à x0, c'est asymptote verticale. C'est le x0 capable d'annuler le dénominateur sans pas annuler le numérateur. Ça veut dire, x égale à moins 1 là, pour c'est asymptote verticale, il faut que l'empote moins 1 en fonction là, il annule le dénominateur, il pas annuler le numérateur là. Voilà. Ça veut dire, on va dire tout, l'em calcule limite à gauche de moins 1 et limite à droite de moins 1, li suppose annuler dénominateur sans pas annuler numérateur. Et bien là on beaucoup by définition d'une manière générale, on by définition d'une manière générale, n'a font tableau. Ça a bien moins l'infini ici et puis n'a bien plus l'infini ici. Et bien là on a bien 1 et puis là on a bien fonction hein, qui c'est et va domaine de Noah qui c'est x plus 1. Et puis là, on a bien un domaine de définition. La fonction est annulée pour x égale avec moins 1. Eh bien, quel est le signe de A? Signe de A, c'est le signe qui marche avec variable qui c'est x. Et bien, signe de A là, c'est plus. Signe contraire là, pas gauche. Signe de A à droite, signe contraire à gauche. Eh bien, domaine de définition, ça, là, comme c'est intervalle ouvrir en moins l'infini. À moins 1, union, moins 1, à plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition pour fonction. Je ne pas demander le domaine, je vais demander asymptote. Eh bien, on va calculer la limite à gauche de moins 1, limite à droite de moins 1. Parce que je vérifie ni à gauche ni à droite. Eh bien, on va calculer la limite fonction ça qui c'est f de x. Quand x tend vers moins 1, moins ça, et limite à gauche, égale. Calculer limite, une fonction, qui ça, ça veut? Calculer limite, une fonction, revient
à remplacer x par valeur de la fonction. On dit limite fonction ça. Eh bien, nous allons aller là, m'a dit tout côté de x m'a remplacé par moins 1, c'est 2 par moins 1 plus 3 sur moins 1 plus 1. Nous allons aller, nous dit limite f de x. Quand x tend vers moins 1 moins, je me fais démultiplier par moins 1 là, bon, moins 2 plus 3 sur 0. Parce que moins 1 plus 1 là, c'est 0. Mais 0 ça, c'est 0 moins parce que la gauche. Je dis limite f de x. Quand x tend vers moins 1 moins, là, c'est égal. Je dis moins 2 plus 1. La bombe 1 sur 0 moins. Et nous connaissons, là nous gagnons k sur 0, limite f de x, quand x tend vers moins 1 moins. Là nous gagnons k sur 0, je dis que ça va infini. Mais quand nous avons la gauche, 0 moins, c'est bien la vie bon, moins l'infini. Et bien quand nous avons calculé la limite à droite de 1, de moins 1. La bombe, c'est limite f de x quand x tend vers moins 1 plus. C'est même bag à la bombe. Parce que la beauté moins 1 là, la toujours bombe. Même résultat ça. La 1 sur 0 plus. La m'gen k sur 0. Limite f de x quand x tend vers moins 1 moins, moins 1 plus. Eh bien, l'aime bien k sur 0 là-bas infini. Comme c'est 0 plus moins à droite là-bas, je l'infini. Mais qui constat me fait? L'aime calculer la limite à gauche de moins 1, annuler le dénominateur là, pas annuler le numérateur là. L'aime calculer la limite à droite de moins 1, annuler le dénominateur là, pas annuler le numérateur là. Eh bien, comment on a conclu? On va voir comment on a conclu. Mais c'est l'exercice là parce que nous connaissons déjà. Nous avons une fonction déjà. Eh bien, nous allons voir qui j'en parle conclu. Eh bien, là, m'a dit donc, la droite x égale à moins 1 est asymptote verticale. Pour qui ça dit asymptote verticale, c'est parce que l'aime calculer la limite à gauche de moins 1, li annule le dénominateur là, li pas annule le numérateur là. L'aime calculer la limite à droite de moins 1, li annule le dénominateur, li pas annule le numérateur. Ça veut dire bon valeur fini. Et bien là, il dit la droite x égale à moins 1 est asymptote verticale. On y a là, m'a dit nous, en un mot, pour joindre tout, l'aime calculer le domaine de définition, à chaque valeur fini, moins joindre pour x li c'est asymptote verticale. Ça veut dire les m'a résoudre fonction yo depuis souvent depuis malin dans domaine de définition moi j'ai un valeur fini ça veut dire on valeur moi capable énumérer pour x y ba connaît ça va dépend dans qui variable fonction là et eh bien valeur moi j'ai dans domaine de définition il fait partie des asymptotes verticales. Mais qu'on a demandé asymptote horizontale tout et bien on a dit asymptote horizontal. Nous allons déterminer asymptote horizontale, nous dit AH. Asymptote horizontale, là, pour nous déterminer ce qui ça m'a fait. Nous allons calculer limite quand x en vers plus ou moins l'infini. Nous calculer limite quand x en vers plus ou moins l'infini. Si je n'en valais fini, eh bien, fonctionnant, valeur je n'en droite y égale avec valeur, hein? Là, c'est asymptote horizontale. Nous allons regarder comment. Pour nous asymptote horizontale, pour fonction ça, m'a calculé limite fonction, hein? Limite f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini. Et bien là, on va calculer limite fonction ça quand x tend vers plus ou moins l'infini. Je dis là, calculer limite qui en fonction quand x tend vers plus ou moins l'infini, surtout là, on a une fonction rationnelle ou bien une fonction irrationnelle. Qui ça m'a fait? M'a tenu compte de thème pi au degré. Ça veut dire thème pi au degré au numérateur et au dénominateur. Et bien là, la bombe c'est limite de x sur x. Quand x tend vers
plus ou moins l'infini. Mais là, regardez là, moi j'ai x au numérateur, x au dénominateur. Nous simplifions par x. Eh bien, limite f de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, bagaille ça égale avec 2. Eh bien, puisque moi le on va l'infini, eh bien, moi dis la droite. La droite, y égale à 2, est asymptote horizontale. Abdi, merci à chaque grand monde qui te prend temps pour te garder cette vidéo. Ça. Si vous n'aimez pas négliger, bah l'autre petit pouce. Et ou même qui te demande pour me faire exercice sur le chapitre ça pour voir si vous satisfait, faire me sentir ça. Ou même tout qui t'a besoin de faire pour. Ça on l'autre ami pas un problème faire passer dans commentaire m'a fait pour même j'en fais pour amis ça et m'a dit même qui pourquoi abonner à faire ça kounya pour pas regretter rien dans ça que pour faire déjà m'a dit nous merci à la prochaine pour l'autre vidéo puis belle puis bon que ça c'était zami Oldiano Gaucho et m'a rappelé nous m'a dit nous objectif là c'est 100 abonnés les kounya. S'il vous plaît, fais-moi vivre avec 100 abonnés. Merci encore pour patience.